Je suis chef du restaurant La Fabrique, ça fait 4 ans et demi que le restaurant est ouvert. Et on s'attelle à faire une cuisine du marché, le plus proche possible des produits réunionnais. Donc on n'a pas de carte préétablie, on fait que des menus du jour. J'utilise la volaille pays depuis toujours et déjà à l'époque travaillais de façon très proche avec donc l'abattoir du chemin Négrondin qui est un des principaux fournisseurs de volaille pays à La Réunion. On essaie de travailler sur la volaille jaune classique hein, de grand coude. On essaie de proposer vraiment deux types de plats qui sont vraiment des plats signatures du restaurant. Et donc nous, on pique l'intérieur de la volaille, de l'intérieur du blanc dans toute la longueur. On met une farce mousseline à l'intérieur. Et après, on fait ça en cuisson basse température, ce qui permet à la chair de bien être nourrie du gras de la farce qu'on met à l'intérieur. Et après, au fur et à mesure de la saison, on essaye de faire une farce à la truffe quand c'est la période de la truffe. La dernière fois, on a fait curry tomate, c'était très joli. Donc ça, c'est vraiment pour exploiter la partie vraiment blanc suprême de la volaille. Et l'autre partie, donc c'est la cuisse de volaille complètement désossée et après vraiment cuisinée comme un steak, ce qui permet de plus avoir l'os, déjà c'est agréable pour le manger, et c'est vraiment une partie que moi j'affectionne beaucoup, la cuisse de volaille désossée. Parce que je suis locavore, enfin on essaye de faire ça au restaurant. J'ai une vraie conscience éco-responsable et déjà ça passe par là, c'est d'essayer plutôt que d'aller d'abord chercher des produits à 10 000 km de La Réunion, essayer de voir s'ils ne se trouvent pas à La Réunion. Et il se trouve qu'à La Réunion, justement, on est des super bons producteurs de volailles. Donc la question ne se pose même pas.